soit en vertu, soit à raison de sa charge. En l'espèce, les deux prévenus, ils sont poursuivis pour avoir à Kinshasa, ville de Sénon, capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates plus précises, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samico Samibo SARL et agent public de l'État, à l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détournait la somme globale de 48 831 148 dollars américains. 148, qui était remise à la société Samibo SARL pour l'achat et l'érection des 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence celle de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Kivu, inscrit au programme des 100 jours initié par le chef de l'État, par le président de la République. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal Livre 1er et 145 du Code pénal Livre 2 tel que modifié à ce jour. Les deux prévenus ont également, toujours ensemble, avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice des dates certaines, mais entre le mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmal SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détournait la somme de 2 137 500 dollars américains qui était remise à la société Ousmal SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme des 100 jours initié par la présidence de la République. Ces faits sont également punis, prévus et punis par les mêmes articles que nous avons énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire les articles 21, 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2 tel qu'est modifié à ces jours. Concernant les prévenus Kamere Lwakaningini et Mouima Ndole, les deux sont également poursuivis ensemble pour avoir à Kinshasa, ville de Sénon, capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 dollars américains, qui était remise à Mouima Ndole Jano pour le dédonnement des conteneurs des maisons préfabriquées. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et article 145 du Code pénal livre 2. À charge de Mouima seul, il a été retenu également les faits suivants. En droit, avoir frauduleusement transféré vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10 000 $ sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En l'espèce, il a
il est poursuivi pour avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1 frauduleusement transféré au Liban des fonds notamment plus de 10 millions de dollars américains sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Ces faits sont prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 4/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Monsieur Jamal, il est également poursuivi pour avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1 intentionnellement opéré les transferts de plus de 10 millions de dollars américains au Liban dans le but de dissimuler des détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Ces faits sont prévus et punis par les articles 1.1 et 34 de la loi numéro 4/16 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Concernant les prévenus Jamal toujours, il est également poursuivi pour les faits suivants en droit. Avoir offert ou octroyé directement ou indirectement à un agent public ou toute personne tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une valeur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou en vue de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et d'essai fixée par la législation en matière de passation des marchés publics par voie de gré à gré. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux que ci-dessus. Le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Sorana Mbiana à M. Kamere Lwakanyingini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-frère de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 mètres sur 100, située sur la baie d'Engaliema, au quartier Bassoko dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, en vue de gagner au nom de la société Samibo SARL et Ousmal SARL le marché public de construction des 1500 et 3000 maisons fabriquées évoquées ci-haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéa 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux qu'est dessus. Le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mbiana, au profit de M. Kamere Lwakanyingi Vital, directeur du cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une concession mesurant 70 mètres sur 100, située toujours sous la baie d'Engaliema, au quartier Bassoko de la commune d'Engaliema à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 dollars américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL
les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées ci-haut en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3, et article 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 5/0006 du 29 mars 2005. À charge du prévenu Kamere Lwakanyingini Vital, il est également retenu les faits ci-après, en droit. Avoir étant agent public ou toute personne sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et d'essais fixés par l'inflation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. En droit et en fait, il est poursuivi pour avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps sub des 1. Accepté indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de la concession mesurant 50 mètres sur 100 appartenant à M. Sami Djamal, situé sous la baie d'Engaliema, au quartier Bassoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réel en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme des 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à ces derniers, sous le nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 141 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété par la loi numéro 05-006 du 29 mars 2005. Monsieur Kamere est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sur D, accepté indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 mètres sur 100, située sur la baie d'Engaliema, au quartier Bassoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme des 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à M. Sami Djamal, sous le nom de ses sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, les faits pour lesquels les trois prévenus sont devant vous. Je dis et je vous remercie. Le tribunal vous remercie, Monsieur le Procureur de la République. Mais avant de poursuivre,
Je voudrais rappeler à l'assistance, et surtout au conseil qui comparaissent pour l'un ou l'autre prévenu ou parti, que le port des masques a été rendu obligatoire dans la ville de Kinshasa, que personne donc ne pourra se présenter devant la barre sans qu'il ne soit couvert par le masque tel qu'édicté par l'édit du gouverneur de la ville de Kinshasa en cette matière. Cela étant, nous allons procéder à la vérification de l'identité de chacun des prévenus. À commencer par monsieur ou le prévenu Sami Djamal. Approchez un micro, s'il vous plaît. Cherchez un micro. Prenez même l'un des micros qui sont là. Maître, vous n'allez quand même pas consulter avec votre client devant là-bas. Ça, c'est proscrit. Non, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-les le dire, hein, de sa propre bouche. Oui. Mais la consultation n'est pas admise devant là-bas. Est-ce que vous pouvez regagner votre place? Oui. Oui, merci. Voilà. Oui. Nous allons procéder à la vérification de votre identité. Oui. S'il y a des éléments, l'un ou l'autre élément de votre identification qui pose problème, vous allez le relever à l'intention du tribunal. Ça va? Suivez, suivez d'abord. Vous répondez au nom de Sami Djamal, c'est ça? Sami Obala Djamal. Sami Obala, ça c'est mon nom, papa Obala. Oui, nous allons toujours vérifier aussi les procès-verbaux oui. qui ont été produits au dossier par l'officier du ministère public. Oui. Sami Djamal. Yes. Vous êtes de nationalité libanaise. Yeah. Vous êtes né à Jouaja, c'est Jouaja, Jouaïa. Au Liban. Jouaïa. Jouaïa. Yes. Le 5 septembre 1941. Oui. Vous êtes marié à Simone Chadi et père de 3 enfants. Exact. Vous êtes fils de Oubaladil, décédé. Oubala Djamal. Où? Oubala Djamal. Oui. Il est décédé. Depuis longtemps. Et de Soubir Fawaz, décédé également. Soubir Fawaz, elle est morte. Pardon? Elle est morte. Elle est morte, oui. Oui. C'est ce qui est renseigné ici. Vous êtes commerçant? 100%. RCCM 14B 4983. Je ne me rappelle pas dans les documents. Je ne me rappelle pas dans les documents. Vous n'avez pas le numéro en tête? Non, pas le numéro en tête. Mais vous êtes commerçant? Je suis commerçant. Avec un numéro RCCM? Oui, encore. Voilà. Il y a tout. Il y a tout. Vous résidez à Kinshasa, commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Téléphone 243-82-24-88-288. Excusez-moi. 082-24-88. 8-5 fois. Pardon? 8-5 fois. 8-5 fois. Oui. Donc il faut soustraire le 2. 0, passer par 8. 088-888. C'est ça. 082-88-288. Excuse-moi. 082-24-8-5 fois. C'est juste. Ça. Donc, il faut soustraire le 2 pour le remplacer par un autre 8. Voilà. Je t'écoute. Donc, c'est bien vous, monsieur Djamal. C'est moi, mais. Djamal. Je vais parler un mot. Un instant. Nous y allons progressivement. Merci. Ça va? Merci. Vous aurez le temps de vous exprimer. Merci. Laissez d'abord le tribunal d'accord. Pour y entamer les étapes de procédure telles que le prévoit la loi. Comparez le prévenu Kamere Lwakaningeni. Le tribunal voudrait procéder au même exercice, c'est-à-dire la vérification de votre identité, telle qu'elle est prise dans la requête aux fins de fixation des dates d'audience, nous transmise par M. le procureur général de la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Et voici les éléments contenus dans cette requête. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui.
Approchez un peu les micros, hein, pour que les sons soient plus audibles. Est-ce que tu peux soulever les pieds parce qu'il est trop bas? Voilà. Maintenant, je crois que ça va. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningini. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Bukavu le 4 mars 1959. Oui. Marié à Chatur Amida. Oui. Père de 14 enfants. Oui. Fils de Kamere Constantin, décédé. Oui. Et de Mwakingi Alphonsine, en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Bouloui. Oui. Groupement Bouloui. Oui. Secteur de Ngwéché. Oui. Territoire de Walungu. Oui. Province du Sud Kivu. Oui. La République démocratique du Congo. Oui. Et vous êtes, vous occupez, vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'État. Oui. Avec un passeport diplomatique numéro DP00068-46. Oui. Délivré à Kinshasa, commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50. Oui. Monsieur, bon, ça c'est la résidence. Hein? Donc, il y a une confusion. Oui. Vous habitez sur avenue Ouvira, numéro 50. Quartier Révolution, derrière le ministère de la fonction publique, avec comme numéro de téléphone plus 243 99 84 47 744. Oui. Madame la greffière, actez qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Lwakaningini. Oui. Au niveau de la résidence. Oui. Vous avez bien fait vous-même de souligner qu'il y avait une petite confusion. Les invitations m'étaient envoyées par la nation. Et pour mettre fin à tout cela, comme j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence en scellé depuis le mois de février, j'avais écrit au parquet de Matete Limité pour signifier cet état de choses. J'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire, comme j'étais détenu encore dans les 15 jours qui avaient été retenus pour ce faire. Je n'ai jamais reçu de suite, mais je crois qu'il faudra en tenir compte. Mais ça ne dérange en rien que le procès se poursuive. Et du moins, vous avez habité sur avenue Ouvira, numéro 5. Je suis locataire là-bas. Voilà. Voilà. Donc, actez qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Lwakaningini. Comparez le prévenu Moui Mandoro Lejano. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Vous répondez au nom de Mouima Ndole Jano. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Goma le 15 août 1969. Oui. Marié à Sifa Mbetsa. Oui. Père de 9 enfants. Oui. Et vous êtes vous-même fils de Mouima décédé. Oui. Et de Mbakati en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Mahanga. Oui. Groupement Nyamaboku. Oui. Secteur de Osso. Oui. Osso Banyungu. Oui. C'est ça. Territoire de Masisi. Oui. Province du Nord Kivu. Oui. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Oui. Matricule 42-222, avec comme grade chef de division, c'est le exerçant les fonctions de chargé de service import et export à la présidence de la République. Oui, mais il y a une erreur. Le numéro matricule, c'est 48. 48-22-22. 48-22-22. Oui. Au lieu de 42-222. Oui. Donc, 40, il y a un 8 qui manque là. Non. Oui. Je vais faire acter, pour éviter. Vous êtes chargé du service import-export à la présidence de la République. Oui. Avec carte d'électeur numéro 200 880 14 421.
délivré à Kinshasa Ngaliema le 2 juillet 2017. Vous résidez à Kinshasa, commune de Ngaliema, quartier Kitsuka Pêcheur, sur avenue Galilée, numéro 4. Oui. Téléphone numéro 243-82-64-41-195. Oui. Acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Mouima Ndole. Vous pouvez regagner votre place. Cela étant, avant que nous ne puissions procéder à l'instruction proprement dite, le tribunal s'en remet aux parties s'il y a l'une ou l'autre préoccupation qui se doivent d'être vidées avant le début de l'instruction. Vous avez la parole. Monsieur le Président, approchez-vous. Maître, le port des masques est obligatoire. On ne les voit même pas. Je les possède. Ah oui, voilà. Bon, laissez un espace de sorte que votre voix puisse porter, que vous soyez écouté facilement. Monsieur le Président, monsieur le juge, monsieur le procureur de la République, ou monsieur le procureur général, nous avons pour M. Jamal, compte tenu de son état, nous avons un préalable, Monsieur le Président. C'est de vous demander de constituer une chambre spéciale de votre juridiction pour une demande de mise en liberté provisoire que nous vous avons adressée depuis le 5 mai et pour lesquels nous voudrions que vous puissiez examiner préalablement à l'examen du fond en ce qui concerne M. Jamal. Voici ce que nous avons écrit. Face au calvaire sanitaire que connaît M. Non, ce n'est pas le moment d'examiner. Attendez, hein? S'il faut que l'on examine cette requête, nous allons décréter la chambre du conseil, hein, afin d'examiner les mérites de votre requête. Donc ce n'est pas le moment. Vous pourrez exposer ça peut-être au moment opportun. Donc, mais ce n'est pas en audience publique que vous devez le faire. Merci infiniment. Voilà. Vous pouvez regagner votre place. Oui, maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, la défense de l'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, aurait été placé dans de bonnes conditions de commencer cette instruction au fond. Mais cette défense est handicapée par le refus, sinon le retard non justifié, d'accorder l'autorisation de lever copie par notre adversaire, le parquet général du ministère public. N'ayant pas connaissance de toutes les pièces que le ministère public détient à charge de notre client, la défense de l'honorable Vital Kamerhe est handicapée, quoi qu'il en soit. Nous avons la même formulation que le bâtonnier national Mbuneletan. La demande, pendant à ce que nous puissions être fixés par votre tribunal, de la demande tendant à obtenir la liberté provisoire de notre client, demande adressée à votre juridiction en date du 30 avril 2020. Il vous plaira donc de procéder comme de droit, comme l'a si bien
sollicité le bataillon national Lombou dans les temps et nous allons vous donner les contenus et les motifs de la demande de mise en liberté provisoire. Nous avons dit. Je vous remercie. Comparé maître Kalombo, pour le compte de quel prévenu? Prévenu Moui Mandole, Janon. Oui. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, à ce jour, notre client se retrouve en difficulté d'assurer sa défense, en ceci que le ministère public, l'organe de la loi, ou le parquet général à qui nous avons écrit pour nous autoriser de prendre les pièces afin d'avoir un procès équitable, jusqu'à ce jour, ne nous a pas encore autorisé. Qu'il plaira à votre tribunal de renvoyer l'affaire afin que nous soyons en mesure de combattre à armes égales avec l'organe accusateur. Nous avons dit. Tribunal, vous remercie. Encore une préoccupation? Oui. C'est juste pour compléter l'estimé confrère, parce que ça fait trois demandes que nous avons introduites auprès du procureur général. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune suite venant de la SAFA. Raison pour laquelle je soutiens l'idée de mon confrère. Oui, bon, si c'est pour dire la même chose, je crois que... Hein, merci beaucoup. Ça ne sert à rien. Oui, maître. Monsieur le Président, monsieur le juge, monsieur le procureur de la République, deux demandes vous sont formulées. La constitution d'une chambre spéciale pour examiner quelques demandes formulées par les prévenus et une remise pour prendre connaissance du dossier. La République relève simplement que lorsque le dossier est envoyé devant la juridiction des jugements, un certain délai se doit d'être observé pour formuler la demande d'une mise en liberté provisoire, conformément à la loi. J'ai entendu que M. Djamal a formulé une demande le 5 mai et les prévenus Kaméré le 30 avril. Votre tribunal appréciera si ce délai est observé en vue de répondre à cette demande. Quant à la remise dont font état mes confrères pour prendre connaissance du dossier, le Conseil de la République que nous sommes, ne trouvons pas d'inconvénient pour permettre que le procès se fasse à armes égales et qu'il soit équitable, comme Monsieur le procureur de la République l'a si bien indiqué à l'entame de son propos. Oui, un instant, il y a votre confrère qui a... Vous aviez à dire, maître, pas de... C'est vous. Vous aviez une préoccupation. C'est maître... C'est maître Bokolombe. Oui, vous avez la parole. Eh bien, bien, merci, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur le Procureur de la République. Nous intervenons pour deux raisons. La première concerne la demande de la liberté provisoire que le bâtonnier national venait de l'introduire. Et je viens d'apprendre... au niveau de la République que le délai n'a pas été respecté, malheureusement, ce délai n'a pas été indiqué. On ne nous a pas dit exactement le soubassement légal de ce délai pour qu'on soit... c'est important. C'est important de la défense. Nous devons recadrer ce débat. Ici, nous sommes dans le cadre d'une audience publique. Tout à fait, oui. Ça va? Et les préoccupations qui portent sur les demandes de liberté provisoire, tous les autres aspects, ne peuvent être soulevés que dans le cadre d'une chambre du Conseil. Tout à fait. Hein? Ce qui n'est pas le cadre
pour l'instant. C'est un point important. Vous pouvez nous épargner, ça va, de ces débats-là. Néanmoins, c'est un point important. Alors, attendez le moment opportun. S'il viendra pour que vous puissiez relever ce problème. Pour le deuxième point, voilà. C'est par rapport à la remise. Lorsque vous regardez à côté du ministère public, vous allez voir pratiquement tout un conteneur de dossiers. Et avant l'audience, les avocats de la République m'avaient promis qu'ils allaient me communiquer plus ou moins 40 000 dossiers pour lire, donc communiquer à la défense. Nous pensons qu'à ce stade, une remise s'impose pour nous permettre d'entrer en contact avec les différentes pièces, les étudier et ce qui pourra assurer un procès juste et équitable. Nous, nous avons dit pour l'intérêt de la défense, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie. Est-ce qu'il y a encore une préoccupation? Oui. Non, je pense que la République s'est introduite dans une démarche qui ne la concerne pratiquement pas. Il vous plaira d'envisager la chambre du conseil pour pouvoir examiner les bien fondés des demandes en liberté provisoire formulées par les parties. Oui, le tribunal estime que sans vouloir rejeter totalement la démarche telle que proposée par les parties dans la présente, étant donné que les prévenus sont là. Quelques questions, ne fût-ce que sommaires, sans toucher à profondeur les éléments du dossier, peuvent être posées à l'un ou l'autre des prévenus, avant que nous puissions prendre la décision de renvoyer à une date certaine pour la poursuite de l'instruction, et toujours dans le cadre du respect des droits de la défense, et qu'ensuite le tribunal pourra examiner les différentes requêtes introduites dans le cadre de la chambre du conseil quant à la liberté provisoire sollicitée par les deux prévenus. Oui. Monsieur le Président, vous remarquerez dans l'attitude de notre client, je parle au nom de l'honorable Vital Kamerhe. Depuis l'invitation lui lancée, il s'est comporté en homme d'État respectueux des institutions. Mais aujourd'hui, les questions que l'on pourra lui poser, nous ne connaissons rien. Voici les piles des dossiers du ministère public. La loi nous impose malheureusement que nous, opposés au ministère public, nous puissions demander à cet adversaire l'autorisation de lever copie. Il brille par la mauvaise foi, il nous cache les données. Alors, les demandes de lever copie étant jusqu'à ce jour sans suite, il n'est pas de bonne justice que votre tribunal, sous le régime de l'indépendance du pouvoir judiciaire, puisse escamoter une étape importante. Nous vous disons, un, il est malade, sous soin. Deux, aucun des conseils n'a accédé au dossier. Or, si vous voulez instruire, suivant le prescrit de l'article 74 du Code de procédure pénale, vous allez commencer par nous lire les procès-verbaux de constat, mais auxquels nous n'avons pas, parce que l'instruction devant vous, suivant les prescrits de l'article 74, ne doit pas commencer par l'interrogatoire. Ça commence par la lecture des procès-verbaux de constat. Après l'audition des témoins ou renseignants s'ils sont là, c'est les prescrits de l'article 74. Donc l'interrogatoire du prévenu ne vient qu'en troisième lieu. J'ai beaucoup d'estime pour ce tribunal. Je pense qu'il ne va pas se permettre de violer l'article 74 et surtout le droit de la défense qui est garanti et organisé dans notre pays. L'article 1er de la Constitution
la République démocratique du Congo est un état de droit où tout le monde, y compris les institutions, le juge y compris, sont soumis à l'autorité de la loi. Que dit la loi en pareille circonstance? Nous avons dit. Oui. Monsieur le Président. Maître Fenesta, une préoccupation du ministère public. Merci, monsieur le procureur de l'État. Nous voudrions un peu réagir ou pas répondre à la demande de prévenir par rapport à la levée des pièces. Monsieur le Président, le dossier est déjà entre les mains du tribunal. L'audience publique est déjà ouverte. En tout cas, il n'est pas interdit à quelqu'un qui est concerné par le dossier de passer au greffe et de lire le dossier pour pouvoir préparer sa défense. Le dossier que nous avons, c'est un dossier administratif. Bon, je ne sais pas à quel moment ils ont introduit leur demande de lever copie, mais cela n'empêche qu'ils passent devant les greffes, qu'ils passent au greffe pour s'imprégner des éléments du dossier et pour préparer leur défense. J'ai dit et je vous remercie. Oui, maître, vous avez la parole. Président, monsieur le juge, monsieur le procureur général, j'abonde dans le même sens que l'estimé confrère qui nous a parlé de la non-connaissance des pièces du dossier. Et mon cabinet est face au palais de justice. Combien de fois mes collaborateurs ne sont pas allés s'adresser aux greffes, mais par ces temps de confinement, les greffes n'étant pas ouverts. Et nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner les pièces du dossier. D'autant plus que, pour M. Jamal, je répète que M. Jamal n'a pas été assisté pendant l'interrogatoire par ses avocats. Nous ne connaissons donc rien des dossiers, ni du parquet général, ni le dossier que le parquet général a envoyé au greffe près de la cour, près du tribunal de grande instance. Donc, la demande de remise est en même temps approuvé par nous, mais nous avons demandé une chambre spéciale pour la demande de mise en liberté parce que c'est important. Merci. Oui, maître. Monsieur le Président. Vous n'êtes pas conforme aux mesures sanitaires édictées. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur Général, en ce qui concerne la levée copie pour notre client, Monsieur le Directeur du Cabinet et Honorable Vital Caméré, nous avions introduit plusieurs demandes et aucune de ces demandes n'a été répondue positivement. Je vous donne un seul exemple. La demande du 4 mai 2020. Nous avons l'accusé de réception. La demande du 8 mai 2020, sans suite, jusqu'à ce jour. Je pense que toutes ces correspondances vous sont parvenues, monsieur le procureur général. Vous ne les ignorez pas. Maître, vous vous adressez au tribunal, hein, pas au procureur général. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est pour vous dire que ce que nous recherchons ici, c'est un procès équitable. Un procès juste. Tous les Congolais veulent voir ces procès se dérouler d'une manière équitable. Et cette justice, c'est celle que notre tribunal sera en mesure d'administrer jusqu'à la fin. Je vous remercie. Oui. Oui, monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Est-ce que je peux voir la lettre des demandes de lever copie? Venez, mettez au tribunal qui va transmettre. Voilà.
en a 3 ou 4 là-bas. Merci, je constate que deux demandes ici se rapportent au dossier RMP 1641/PG/023/A/Loupe 2020. Monsieur le Président, ces deux dossiers, ou ces dossiers-là, n'est plus à l'office du procureur général. Les dossiers étaient déjà envoyés en fixation. C'est pourquoi je demandais à ceux et ceux qui cherchent à voir les pièces n'ont qu'à passer au greffe. En plus de ça, nous allons ajouter ceci. La plupart des pièces qui sont dans ces dossiers, à part les procès-verbaux, sont les pièces qui ont été produites par ceux qui les demandent aujourd'hui. Au micro, on dirait qu'il ne porte pas loin. Alors, sont des pièces qui ont été produites par les parties, la plupart des pièces qu'on vous a transmises dans ces classeurs-là, à part peut-être les procès-verbaux. Pour les deux demandes ici, je ne sais pas comment le PG peut répondre pour un dossier qui n'a plus. Mais pour le reste, nous allons vérifier s'il a déjà réceptionné les deux demandes, puisqu'il parle des dossiers RP qui est devant vous. Nous allons vérifier si ces demandes sont déjà réceptionnées à l'office du procureur général. Merci. Il va répondre. Voilà. Vous avez soumis... Oui, maître. Vous avez à dire. Monsieur le Président... La République est un peu embarrassée quand même de relever qu'elle a pris connaissance du dossier au greffe. Pendant 3 jours, ce greffe-là était ouvert, le dossier en possession du greffier divisionnaire. Et la République a donc pris connaissance du dossier au greffe. Elle est quand même embarrassée de le relever pour que l'on ne mette pas sur le dos du greffe, ce qui ne lui revient pas. Deuxièmement, Monsieur le Président, parce que la République veut comprendre pour bien suivre la procédure, si l'on est sur une demande de mise en liberté provisoire qui a été formulée, ou si on est sur une demande de remise qui n'empêche pas que ces débuts d'instruction adviennent. Advienne. Et la République termine quand même en indiquant que ce procès ne commence pas par le tas des dossiers que vous avez devant vous. Il y a déjà des questions auxquelles les prévenus ont eu à répondre et ils sont là. Dieu merci, aujourd'hui au moins, ils sont là. La République ne trouve donc pas d'entorse à ce que sur ces questions-là, ne serait-ce que sur ces questions-là, les prévenus soient entendus et permettre, si jamais il y a des pièces de fond auxquelles les confrères n'ont pas accédé, votre tribunal appréciera pour savoir si il renvoie pour connaître des demandes éventuelles de mise en liberté provisoire qui ont été formulées ou pour permettre au conseil de prendre connaissance des dossiers. Et la République termine simplement en rappelant à l'attention des parties les dispositions de l'article 45 du Code de procédure pénale. J'ai dit. Tribunal, vous remercie. Maître, est-ce que nous pouvons... Juste un petit mot, oui. Avec votre autorisation. Oui. Nous avons ici à inviter votre tribunal à prendre deux positions. La première consiste à constater que le dossier n'est pas en état par rapport à la défense de l'honorable Vital Kamerhe. La République tente de vous dire qu'elle a pris tout le temps, 3 jours, au greffe pour lire le dossier. Je rappelle à la République qu'en termes de procédure, il y a deux actes qui peuvent poser l'avocat dans l'étude du dossier.
il y a le compulsoire et la levée copie. Si le compulsoire peut se faire au greffe, mais la levée copie, c'est afin de permettre à la partie mise en cause, sinon à ses conseils, de prendre copie du dossier afin d'une étude au cabinet ou à domicile. Cela étant, votre tribunal va constater que nous ne sommes pas en mesure de nous soumettre à l'exercice de l'instruction, surtout que l'article 74 du Code de procédure pénale dit ceci, et c'est une disposition impérative. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant. Deux points. Les procès-verbaux de constat, s'il y en a, sont lus par le greffier. Deuxième acte de procédure que le tribunal doit poser. Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et les reproches proposés et jugés. En troisième position vient maintenant les prévenus être interrogés. Nous n'allons pas remplacer... Le tribunal ne voulait pas vous interrompre, pour vous empêcher de lire des dispositions légales à l'intention du tribunal. Non, à l'intention de la République, oui, pas vous. C'est connu. Vous connaissez, mais la République semble ne pas comprendre que cela a été disposé. Le tribunal voudrait dire à l'intention de conseil et des partis. Oui. C'est que, premièrement, la préoccupation que vous êtes en train de soulever, elle est légitime, bien sûr, mais elle concerne les avocats qui disent n'avoir pas lu et d'autres n'avoir pas pu lever copie des pièces du dossier. Or, l'instruction, le début d'instruction à laquelle fait allusion, auquel fait allusion le tribunal, porte sur quelques questions qu'il pourra poser à l'un ou l'autre le prévenu, et s'il y a des éléments qui nécessitent la prise de connaissance des pièces du dossier ou ceci pour réserver une réponse, oui, on dit sur cet aspect, j'ai des difficultés parce que, et quant à l'autre, mais laissez quand même le tribunal poser, vous verrez, ça ne sera pas des questions proprement techniques, mais c'est juste pour se rassurer. Ce sont les mêmes questions qui leur ont été posées par l'officier du ministère public lors de l'instruction préjudicielle et auxquelles ils ont réservé l'une ou l'autre réponse. Et la suite viendra après. Soyez rassurés que le procès sera équitable. Vous êtes devant la justice de votre pays. Merci donc, beaucoup, il n'y a pas d'inquiétude quant à ce. Ne demeurons pas rigoristes quant à l'interprétation des textes de loi. Nous sommes en matière pénale, bien sûr. OK. Mais soyez rassurés, prenez votre mal à patience. Laissez le tribunal franchir cette étape pour que l'on entame celle qui va suivre. Merci beaucoup. Voilà. On s'oblige. Oui. À suivre, à suivre la position du tribunal si elle peut être conciliée avec l'intérêt de la défense. Et je parle sous le contrôle du bâtiment national en exercice. Merci. Je vous dis, monsieur le président, la défense, la constitution dit, est organisée. Et il y a une loi portant profession d'avocat. Nous n'avons pas eu d'entretien avec notre client sur la posture à prendre sur tel chef d'accusation. Oui, alors, ça, c'est le premier aspect de l'organisation de la défense. Oui. Deuxième aspect, c'est son état de santé. Monsieur le Premier Président, la République que vous représentez ici ne perd rien. Peut-être les individus. Mais la République, en tant qu'être moral, ne perd rien en renvoyant d'abord l'audience ordinaire et en ouvrant la chambre du conseil. Oui. Donc, le faire autrement, curieusement, c'est un procès médiatisé. Permettez-nous d'avoir ne fût-ce qu'une brève d'éléments qui vont nous permettre d'examiner votre demande à suivre. Ça va ? Donc, n'orientez pas votre intervention par rapport à la République. Non, loin de là. Oui.
Oui, Monsieur le Président, c'est pour la défense du prévenu Mouima. Nous tenons à faire signaler au tribunal que le prévenu a été entendu sans conseil. Cela veut dire que les conseils ne savent même pas ce qu'il avait dit devant le ministère public. Nous avions eu à écrire, le ministère public l'a constaté en bonne et due forme, en renseignant les numéros RP, et plusieurs fois on ne nous répond pas. On nous met en difficulté de faire un procès équitable. C'est tout ce que nous demandons. Qu'on nous donne suffisamment de temps, une brève remise s'impose, et la République ne perdant rien, nous allons commencer l'instruction, parce que tout le monde est là. On ne voit pas comment, dirais-je, faire la précipitation dans un procès pénal aussi longtemps que l'organe accusateur aille les demandes dans les temps voulus. Maître, suivez mais n'a pas. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de précipitation. Ça va? Merci, Monsieur le Président. On a compris. Tribunal, vous vous rendrez compte après qu'il n'y a pas de précipitation. C'est comme ça que nous demandons du tribunal. Pas d'intention, c'est pas la République ou autre. Oui. Voilà. Nous étions, Monsieur le Président, nous demandons à ce qu'on nous accorde une courte remise, le temps que le ministère public, l'organe accusateur, nous répond et nous donne l'autorisation, qu'on lève les pièces. Et les procès verbaux, nous reviendrons devant vous, on va répondre à toutes les questions sans problème. Ça va? Pardon? Le tribunal ne l'a pas refusé d'emblée. Regagnez votre place, suivez le tribunal, vous verrez qu'il n'y a rien de tout ce que vous êtes en train de redouter. Okay. Merci, Monsieur le Président. Oui. Comparer le prévenu Sami Diamal. Est-ce que vous pouvez approcher le micro? Maître, il ne faut pas nous interrompre. Vous prendrez la parole après. Patientez. Patientez, patientez, vous prenez la parole. Nous allons statuer sur tout. Vous prendrez la parole après. Hein? Vous avez beaucoup de temps pour vous exprimer. Et il y a encore beaucoup d'autres étapes. Laissez le tribunal poser deux ou trois questions et puis on verra. Oui, où est le micro? Oui, on peut le prévenir Sami Diamal. Vous vous exprimez aisément en français? Pas actuellement, pas beaucoup. Pardon? Pas beaucoup, non. Et au parquet, vous êtes exprimé dans quelle langue? Je parlais arabe. Arabe? Oui. Vous étiez interprété par quelqu'un? J'ai parlé arabe et puis je suis 52 ans dans ce pays. Si voilà. Nous vérifions dans les procès verbaux, on verra que vous êtes exprimé en arabe. Oui, je suis mis en interprété arabe. Interprété par quelqu'un. Pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Un instant. Excusez-moi, moi je ne connais pas les français. Comme vous, tu ne connais pas les arabes aussi. Ah, ici, l'on dit que vous étiez à présent de votre avocat. On ne fait pas oui, avec mon avocat. Voilà. Je vais parler. Moi, excusez-moi. Moi, je parlais arabe. Vous, tu parlais français. Vous, quand je parle arabe, tu ne comprends pas. Mais je comprends quelques un peu. Mais toutes les pièces, ils sont là. Je suis innocent. Un instant, non, non, non. Non, parce que... Ces jours-là, au parquet, vous êtes exprimé dans quelle langue? Non, pardon. Ce n'est pas moi, je vais parler. J'ai présenté les pièces, mais mon avocat, il va interroger cette pièce, il va présenter cette pièce. Non, moi, je parlais un par un. Monsieur Diamal, oui. Le tribunal vous pose une question précise. Oui. Vous étiez devant l'officier du ministère public le 24 février 2020. Oui. Et vous étiez assisté par maître Bokolombe. Bokolombe, exactement. Oui. C'est juste. Cet entretien s'était déroulé en quelle langue? C'est ça. Pardon? C'était dans quelle langue? Le problème, c'est celui de la langue. Oui, mais vous vous exprimez dans quelle langue? Je parle ici que je comprends français, mais comprend. Elle est petite avec moi, parce que depuis 10 ans, avec moi, elle comprend mon français. Il y en a moi, je ne comprends pas, lui, il comprend mon français. Voilà. C'est tout ce que je vais demander. Voilà. Alors, mais si y a je vais choses... parler un mot devant tout le monde. Si je vole
Non, je vais parler. Non, on n'en est pas encore là. Excusez-moi, un mot, pardonnez-moi. Non. Le tribunal ne l'autorise pas. Si le gouvernement me doit l'argent. Si le gouvernement congolais. Le tribunal ne l'autorise pas. Ah, pardon. La parole vous est retirée. Voilà ça. Maître, laissez-nous d'abord. Un instant. Du parquet général. Non, c'est pour préciser, c'est très important. C'est par rapport à son audition du 24 février. C'est nous qui l'avons assisté. Et moi, personnellement, monsieur le président. Alors, vous allez vous rendre compte que mon client a un sérieux problème de communication. Il a un sérieux problème de communication. Ce qui fait qu'il a toujours été assisté de ces conseils que nous sommes. Donc, souffrez que lors de certaines questions que vous aurez à lui poser, qu'il soit assisté par ses avocats pour lui expliquer clairement quelques aspects techniques et spécifiques. Merci. Et là, les problèmes ne se posent pas. Merci. Merci pour la protection. Là-dessus. Merci pour la protection. Voilà. La première question que le tribunal voudrait vous poser. Regardez à votre gauche. Est-ce que vous connaissez le prévenu Kamere qui est assis là-bas? Pardon? Vous connaissez le prévenu Kamere? Je connais tout le monde par photo. Non, lui, vous le connaissez? Si oui, comment vous le connaissez? Aucune relation entre moi et entre le préfet Mohamed Jedekri. Vous ne l'avez jamais rencontré dans votre vie? Pardon? Vous ne l'avez jamais rencontré dans votre vie? Jamais, jamais. Le jour seulement j'y étais, parce que les 7 procès depuis 2017 avec le développement. Le tribunal retient que vous l'avez jamais raconté. Jamais. Je connais dès qu'ils sont Dieu témoin. Si lui me connaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Vous étiez au courant du programme des 100 jours du président de la République. 100 jours, excusez-moi. Je vais te répondre. Est-ce que vous étiez au courant de ce programme-là? 100 jours, mais excusez-moi. Ça dépend d'abord des marchandises, ils ont resté au port. Un instant, oui. Est-ce que vous étiez au courant qu'il existait un programme de 100 jours du président de la République, du président de la République démocratique du Congo? Il faut combien les marchandises arrivent à Istanbul ici? Il faut dire moi. Non, mais il faut que je vais répondre. Est-ce que vous avez été informé que le président de la République démocratique du Congo avait initié un programme de 100 jours? Ça perd 100 jours, les 100 jours. Oui. Tu me comprends? Mais 100 jours, tu ne peux pas installer 1500 maisons. Un instant. Bon, 1500 voilà. Maisons, tu ne peux pas un installer. Un instant. Vous allez trop vite en besogne, M. Djamal. Oui. 100 jours. Répondez précisément aux questions. Oui, 100 jours, je connais 100%. Voilà. Est-ce que vous êtes intervenu dans l'un ou l'autre aspect de ce programme-là? Si oui, en faisant je quoi? Je ne comprends pas si elle est intervenue quoi. Parler, je comprends vous avez pas. Été intéressé par l'un ou l'autre aspect de ce programme. Est-ce que vous êtes parmi les opérateurs économiques je qui suis été d'accord. Approchés pour l'exécution mais de ce programme? Je vais répondre, Baba. Oui. Si tu commandais les marchandises, il faut deux mois et demi. Comment tu vas installer 1500 maisons pour 100 jours? Vous avez commandé quelles marchandises? Les 1500 maisons. 1500. Oui. Ah, c'est à ce niveau que vous êtes intervenu. Bien sûr, je suis sûr. Mais combien de mois pour arriver ici, 840 conteneurs? Mais qui vous avez approché pour ça? Oui. Qui vous avez approché? Oui, mais je ne peux pas installer 1500. Non. 1500 maisons pour 3 mois. Vous pouvez lui expliquer qui l'avait approché pour ça? Non, mais monsieur le président, je crois qu'il faut faire la distinction entre lui. Entre lui, M. Jamal, et la société Samibou. Non. Il y a bien deux personnes. La question est claire. Non, c'est par rapport à sa compréhension. Oui. Messieurs, les papiers, ils parlent. Les gouvernements Congo, ils me doivent l'argent. Ils vendent tous les frères. Merci. Ils vendent tout le monde. Okay. Si tu me vois, je vole un Gouy condamné 20 ans en prison. Si le gouvernement, ils me doivent l'argent. Merci. Donc, si nous comprenons, il est intervenu dans le cadre de l'exécution du programme. Les 1500 ou je ne sais pas combien de maisons. Il n'y en a pas précisé merci. La date, le monsieur le président. Ce sont les quelques questions. Il n'y en a pas précisé la date. La suite viendra. 1500 maisons, tu ne peux pas installer pour 100 jours. Merci. Vous n'avez plus la parole. Monsieur, retirez le micro. Comparez le prévenu. Vous, c'est Mouima. Il va beaucoup délivrer. Comparer les prévenus Mouima.
Oui. Vous êtes chargé d'import-export à la présidente de la République, c'est ça? Oui. Et certainement que vous êtes au courant de l'existence du programme des 100 jours du président de la République. Oui. Dans quel aspect de l'exécution de ce programme êtes-vous intervenu? Vous prévenez Mouhim. Dans le cadre du dédouanement. Du dédouanement? Oui. Qu'avez-vous reçu concrètement pour ça? Pour quelle mission vous a été confiée et par qui? Bon, on m'a confié la... Par on, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Il dit, j'ai été approché par tel, j'ai reçu l'ordre d'exécuter telle tâche. Ma hiérarchie. En de cette tâche, voici les moyens qui ont été mis à ma disposition. Ma hiérarchie. Le directeur du cabinet. Oui, donc le directeur du cabinet. Oui, le directeur du cabinet, oui, qui est ma hiérarchie. Il m'a donné l'ordre de mission pour aller effectuer la mission de récupérer la marchandise qui était à Dar es Salaam pour Mbujimayi. Il s'agit de quelle marchandise? C'était des maisons préfabriquées. Pardon? Des maisons préfabriquées. Des conteneurs. Avec des maisons préfabriquées. Et vous étiez-vous effectivement rendu à Dar es Salaam pour ça? Oui, oui. Qu'avez-vous ramené? Bon, d'abord, il y avait l'état de besoin qu'on avait effectué. C'était un état de besoin de... Revenez, Mouhima. Oui. On n'entre pas en profondeur de ça. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez ramené? Oui, nous avons... Quelques questions juste... Oui, nous avons ramené... La moitié des marchandises selon les moyens. Oui, selon les moyens qu'on a mis. Quels sont les moyens qui étaient mis à votre disposition? On a mis à ma disposition 1 154 800 $. Et avez-vous utilisé toute cette somme? Oui. Merci. Je vais vous asseoir. Le reste viendra dans la poursuite de l'instruction. Comparez le prévenu Kamere. Prévenu Kamere, vous avez confirmé tout à l'heure que vous êtes le directeur de cabinet du chef de l'État. Confirmé, c'est la réalité. J'ai dit vous l'avez confirmé parce qu'après vérification faite par le tribunal, vous l'avez confirmé. Absolument. Voilà, et vous ne l'avez pas nié donc. Absolument. Et comme tel, vous avez été au courant, si pas participé à l'exécution du programme des 100 jours de M. le Président de la République. Je voulais d'abord votre honneur vous demander de noter que nous n'avons pas suivi la lecture des PV quand on a demandé tout à l'heure. Deux, personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes un intellectuel. Oui. Et je sais que devant pareille situation, tout peut arriver. Et donc, il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction, et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État, dans la vérité et honorer notre justice. Merci. Ça, c'est une demande avant de répondre à des questions superficielles que vous voulez me poser. Merci. Mais je crois que le tribunal a dit tout à l'heure. Hein, oui. Que les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez les relever à l'attention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent, vous puissiez nous dire, lorsqu'on vous pose la question de savoir, par exemple, si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État.
Mais comment il pouvait en être autrement à partir du moment où voilà. C'est le programme... C'est tout. Non, bah, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Caméré. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par les chefs de l'État lui-même. Avant sa mise en exécution, nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme des 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste des questions. Très bien. Ça va? Oui. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Oui. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme, c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme des 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, c'était en quelle qualité êtes-vous intervenu? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Par... Du chef de l'État. Du chef de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question. Est-ce que vous connaissez M. Sami Djamel, qui est à votre droite? Le connaître, je vais le connaître pour à quel titre? Vous le connaissez? Tous les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui les concerne, non. Vous n'avez plus d'idée. J'ai dit non. Non. Voilà. Et le prévenu Mouima, vous le connaissez? Vous savez que Mouima, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage. J'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde, est-ce que Jeannot est déjà là? Puisque notre administration à nous, celle que moi j'ai impulsée à la présidence de la République, ce n'est plus une administration de recevoir les agents dans les bureaux. C'est les annotations sur les documents. Les documents de l'éloignement, j'ai écrit au comptable. À transférer vite chez M. Mouima chargé de la logistique pour accélérer des marches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas le transfert pour Jeannot. Chacun fait son travail. Et moi, c'est le cahier de charges que je regarde. Est-ce que les conteneurs de Mbouzima sont bien arrivés? Oui, une partie. Les conteneurs de Kinshasa, oui. Tous les conteneurs de Kinshasa sont arrivés. De Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. Du Sud Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dar es Salaam. De Matadi, non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné les conteneurs, ça se trouve à Istanbul. Merci. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Voilà, c'est juste quelques questions. Merci beaucoup. Le reste viendra suivre. Très bien. Le temps que vos avocats pénètrent le cœur du dossier et tous les autres éléments. Est-ce qu'il y a... Oui, une préoccupation de M. Le Merci, M. le Président. Si le prévenu Caméré peut rentrer à la barre, juste une petite question de précision. Prévenu Caméré, vous pouvez revenir. Venez. Le tribunal vous invite. Maître. Juste une petite Vous n'avez question même pas encore de précision. De Restez là, laissez le prévenu seul à la barre. S'il faut intervenir, on vous accordera la parole après. Vous regagnez vos places, les avocats. Non, regagnez d'abord vos places. Il n'y a rien à cacher. Vous reviendrez après.
Monsieur le Président, c'est très important pour nous. Vous lui avez posé la question, il a répondu deux fois, mais pas la même chose. Il a dit qu'il est intervenu comme directeur de cabinet et superviseur. Je n'étais pas seul, on était avec d'autres et la coordination. Mais à la fin, là, il insiste pour dire qu'il est intervenu en tant que directeur de cabinet. Moi, j'aimerais que les greffiers, s'il peut répéter, que les greffiers notent qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet, superviseur aussi de ces travaux de 100 jours. Est-ce que vous pouvez préciser ça, c'est tendancieux. C'est tendancieux. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre, puisque tous ces petits pièges à gauche, à droite... Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là? Mais ça. Est-ce que l'un est compatible avec l'autre? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais le document, il est là, lisez-le. Une équipe de superviseurs. Il y avait Monsieur Vital Kamere, directeur de cabinet. Il y avait Monsieur Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait Monsieur Yav, directeur ministre des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque Centrale. Il y avait le ministre des Budgets de l'époque. Il y avait les représentants de la primature. Il y avait tout ça, tout ça. Donc vous étiez 9 au total. 9 au total. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on ne voit que Kamere. Donc, assuré par qui? Pardon? Qui assurait la coordination? C'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur général, chef de l'État. Merci. Voilà. Je vous assure. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une préoccupation de ce côté? En ce qui concerne les prévenus camerounais. Maître, c'était là quelques questions posées par le tribunal pour lui permettre d'amorcer le début de l'instruction. Notez quelque part, au jour de la remise, parce que la remise s'impose, vous y reviendrez avec des questions plus ou moins précises. Voilà. Cela étant, avant que le tribunal les décrète, oui, vous avez à dire? Non, pardon? Non, je vous ai vu chercher à lever la main. Avant que le tribunal les décrète la chambre du conseil, c'est que la loi le prévoit, nous allons renvoyer la poursuite de l'instruction à une date certaine. Et cela de commun accord avec toutes les parties. Toutes les parties, on peut renvoyer après. Est-ce que vous pouvez proposer une date? La République? Sur le fond, qu'est-ce que c'est? Il y a des dossiers de la semaine qui vont passer. Je vais aussi intervenir. Ça fait deux semaines. Monsieur le Président, les partis prévenus proposent une remise à un mois quant à l'examen du fond. La République personnellement n'a pas d'objection parce que dans un mois l'affaire n'aura pas changé entre-temps. Mais dans les usages du prétoire, une remise au moins en matière pénale, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Oui, je pense que le maximum, c'est peut-être deux semaines. Oui, le tribunal vous a demandé de proposer. Oui, alors je propose... Vous avez proposé une date, c'est au tribunal de trancher. Mais c'est à quelle date doit renvoyer parce que non, non, moi j'ai proposé, pénale. Mais les partis prévenus ont proposé autre chose. Oui. Au moins. Vous? Nous, peut-être à deux semaines, ça ira. Oui, oui. D'ailleurs, s'agissant de nous, ça pouvait se faire même demain. Mais voyez-vous, l'égalité des armes, justement, nous commande oui, de... par respect pour les droits de la défense. Non, non, la confraternité, tout simplement. Nous devons assurer un procès équitable. La confraternité le pour le tribunal nous. Ne pourrait... Le tribunal ne pourra consentir que pour une remise à deux semaines, au 25. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties pour le 25 mai 2020. Donc, cela étant, le tribunal ayant renvoyé l'examen de la cause en audience publique le 25 mai. Donc, l'audience publique est levée et nous demandons à la presse, parce qu'il s'agit de la Chambre du Conseil, qui n'admet
que les prévenus et les conseils. Donc la retransmission en direct d'une chambre de conseil n'est pas de mise. Donc vous pouvez interrompre votre retransmission à ce niveau-là, tout en retenant que la cause est renvoyée au 25 pour poursuite de l'instruction. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Et le tribunal avait déjà levé l'audience. Donc, vous pouvez arrêter votre retransmission.